Salut à tous, c'est Ribosome. La magie a opéré cette nuit, car oui, notre maison a changé ce matin et nous ne jouerons point Poussouf, nous ne serons point un blaireau, mais bel et bien un cerf d'aigle. Je suis un érudit, j'ai un lit superposé et je dors en haut parce que je suis beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que celui d'en bas, qui est tout petit rikiki, qui pue du cul. Voilà, donc j'ai changé de maison. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette nuit, je me suis dit, putain, c'est con, je prends Pouf Souffle, alors que finalement, tous mes tests m'ont donné Cerf d'Aigle, Pottermore, Wizarding World, mes amis autour de moi, la totale, et même le Choixpeau. Donc, écoutez, je pars sur Cerf d'Aigle. Voilà. Ouais, j'ai fait un perso à mon effigie. Je montrerai mon crâne tous les quarts d'heure, Tinu Bakmal. Donc, n'hésitez pas à me demander de vous montrer ma calvasse. Nous avançons. Donc là, je découvre. C'est-à-dire que je suis au même stade que Poufouf hier. Mais, donc, on m'a dit de monter. Du coup, je vais descendre. Donc, on se souvient que on est un érudit. On s'en souvient. Voilà. D'autres lits superposés. Très bien. Je vais quand même monter pour aller voir. Ouais, j'ai fait un perso du coup à mon effigie, j'ai fait un crâne rasé, la tribu des crânes rasés, comme dirait Jake Sully dans Avatar. Qu'est-ce que je pense du jeu du coup, Flor Ayrton m'a posé la question. Waouh. Bah écoutez, je suis agréablement surpris par ce jeu, je pensais pas du tout qu'on aurait des graphismes comme ça. Je pensais pas du tout qu'on aurait une telle qualité de doublage. Et une telle ambiance sonore, franchement, je suis refait. Et du coup, pour le moment, en tout cas, mes premières impressions sont très très bonnes. Je vous dis pas de l'acheter parce que j'ai pas assez avancé, mais je pense que ce soir, je pourrais vous donner un avis beaucoup plus complet, beaucoup plus fin sur tout ça. Je rappelle juste que c'est mon premier jeu Harry Potter et que je me suis couché à 2h30 du mat pour pouvoir vous poster un tuto, une vidéo, des TikTok. Donc j'y pep. Elle est là ! Elena ! Putain, elle est là ! Elle est naze ! Elle est naze ! Ok, donc on peut interagir avec pas mal de trucs. La salle commune est vraiment trop trop belle. Enfin, c'est pas la salle commune, c'est la... Comment dire, c'est la salle de la maison Cerf d'Aigle. On aime le bleu, on aime les aigles. Et c'est trop cool. Donc là, je peux descendre, voyons voir. Je vais regarder. Vous êtes sur le point de quitter votre salle commune, ok. Ok. Putain, ça fait peur. Alors on va peut-être faire l'objectif. On doit se présenter à Amit, on doit se présenter à Everett et se présenter à Samantha. C'est stylé quand même, ouais, c'est trop cool. Toi, tu es du Bakmal, tu vas l'acheter, tu l'as acheté, tu l'achèteras. Alors, on va se présenter à Everett, c'est lui. Voyons voir. On commence. Hein. Une seconde. Admire le spectacle. Dites-moi pour le son. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un cupcake qui pue? Une bombe à bouse. Oh! Salut Thorin, bienvenue à toi. Une autre réaction. Monteur de tonneau. Ah. Comment tu vas Thorin? J'attendais exactement. J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Stylé. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Quand t'auras fini Elden, ok, continue. T'as l'air très calme par rapport à certains. Ça s'appelle Everett. T'as survécu à un voyage assez éprouvant. Alors j'ai hâte de commencer les cours, je m'inquiète un peu. Vas-y, j'ai hâte de commencer les cours. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs... Ouais, du coup, la grimpeuse, je suis passé Cerf d'Aigle. Tu sais, dans la nuit. Je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai un modificateur de voix, Thorin. Du coup, j'imite très bien Smog, en fait. Cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Ok, donc Everett a l'air sympa, c'est un rigolo, Everett. Cerf d'Aigle aussi, Thorin, énorme. Mais moi, tous les tests que j'ai fait m'ont donné Cerf d'Aigle, du coup, je me suis dit, vas-y, je fais Cerf d'Aigle. C'est vraiment un rigolo, hein, ce Everett, oh là 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 là, il en loupe pas une, c'est un bout en train, un sacré bout en train. Nous parlons à Samantha Dahl. Je rappelle que mon personnage s'appelle Balthazar du Fiac. Balthazar, pourquoi? Parce que c'est en l'honneur de mon chat décédé le 2 février. Et du fiac, parce qu'on adore le fiac. Bon sang de bave-boule! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave-boule? C'est une expression à moi. Elle est à chier, ton expression. Plan de dictat, mais j'ai vraiment envie qu'il se plaise.
Un plan de dictame. Un dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravi de te rencontrer. Parfait comme perso. Il y a une histoire derrière le nom, au moins. Mais oui, on utilise du dictame. Chez nous, il y a du lore. Wiganweld. Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potions. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiganweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Il paraît, ouais, elle sait de ses fox. Il enseigne la théorie magique, mais... Ah, il enseigne la théorie magique, Fig. Oui, elle sait de ses fox. Il y a énormément de choses à découvrir en dehors de Poudlard. Il n'y a pas que Poudlard, et apparemment, la map est absolument gigantesque. 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, donc je pense qu'on est face à un très bon jeu. Très très bon jeu. Voilà. Ah, pourquoi pas Samantha Dufiak, ouais. Tinu Bakmal, on y est. On va la séduire. Et... avoir un bébé qui sera du coup Harry Crotter. Il est expert, ce sera un cochon. Il est expert en la matière. On va dire qu'il est expert en la matière. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiganweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. C'était un plaisir de te parler. Les pouf-foufles sont censés avoir la main verte. Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients? Ah, vas-y, on lui dit ça, les pouf-foufles sont censés avoir la main verte parce que c'est vrai. Ce sont les pouf-souffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les serres d'aigle, si? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. C'est rare d'entendre le mot lopin. Eh bien, c'était un plaisir de te parler. Ou non, vas-y, allez, on va lui demander ça. Les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients? Ah oui! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous... Bulbille a... Bulbizarre. Bulbille. C'était un plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer, ça. Désolé. Avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Merci à toi, future Madame Dufiak. Balthazar va planter la plante à prout, exactement. La plante à prout. Donc, okay, donc on a quelqu'un qui regarde par le trou de cette, de ce télescope. J'aurais cru que... Amit Takkar. C'est pas comme ça que... Hey, salut. Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Oui, je crois que oui, c'est modifiable, L7C-Fox. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un... Il me semble qu'il y a une salle où on peut le faire. Je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Je suis tellement fan d'astronomie, c'est normal que je sois Serdaigle. La tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. Alors le professeur chasse, chat, c'est tellement de choses. Ah oui, c'est professeur d'astronomie. Les étoiles me fascinent, c'est vrai. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors. Ça a l'air intéressant. J'ai fait un mémoire sur ça quand même, sur le tourisme spatial. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Non, pour Ayrton, ça va. C'est moins costaud que pour Horizon pour le moment. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. Un dragon. Comme par hasard. Comme par hasard. Non mais là, en fait, c'est que les dialogues sont intéressants en fait par rapport à Horizons Forbidden West. C'est pour ça, Florerton. Je te troll. Franchement, je suis trop content d'avoir changé de maison. Voilà, je suis à la maison. Je suis à la maison, vraiment. En plus, il y a un feu au milieu, là. C'est trop joli. C'est trop joli. Ah, ça fait quoi si j'interagis avec ça? Ça fait rien. Et du coup, c'est cool. Je peux pas me TP? Je suis une grosse merde. Allez, faut qu'on apprenne des sorts, salopard. Je te gosse pour la journée. Rien à foutre! Rien à foutre! Je te pète dessus! Pète dessus, Florent, attendez. Faut descendre. On descend. C'est parti. Cool! Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas. Comme le dragon. Bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. C'est vrai. Non.
étant donné que... Elle n'a pas de verre sur ses lunettes, non ? ...en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Elle n'a pas de verre ? Donc, qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. C'est toi la buse. U.S.E. Grosse buse. ...universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère... N'hésitez pas à participer au concours, point d'exclamation cadeau. ...pour assurer votre réussite. Oh ! Tenez, voilà. Ça y est. C'est de la magie ! Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. C'est con qu'il n'y ait pas le chat. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Et qu'il n'y ait pas le chat sur l'écran, quoi. Nous, nous sachons vos horizons. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Ça m'intéresse trop. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Très bien. Testons-moi. Testons-moi, vas-y, testons-moi. Testons-moi, Madame Weasley. Non, non, je rigole, hein, pour Horizon, hein, y a pas de malaise. Il vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Je loue, là. Je loue, là. C'est super, l'ambiance. Hein. Par contre, je trouve que c'est un peu terne, de mon côté. Je trouve que c'est un petit peu terne. Donc, je ne sais pas si ça vient du mode performance. J'aurais aimé avoir... Vous, je vous ai augmenté la saturation, mais moi, j'ai le truc en natif. Et du coup, c'est un peu terne, moi, de mon côté. Salut Patoche! Ici Balthazar du Fiac! Maison Serre d'Aigle! Bonjour à toi Patoche! Je vais essayer de lancer Rébellion sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. C'est vrai, par contre, c'est magnifique au niveau graphisme et tu es en équilibré car pas vu le début hier soir quand t'as commencé. Non, je suis en perf. Je suis en performance donc je suis en 60 constant. J'ai pas mis équilibré. À votre avis, je mets équilibré. Bon, je le mettrai après. Elle va montrer des trucs loufoques. Loufoca Weasley. Pas de malaise, pas de malaise. Hein. Allez, réveillons. Récupérer. Donc on récupère des pages pour le manuel. Ça va bien, Patoche, je suis trop content de jouer à Hogwarts Legacy. Je suis refait. Donc un buste sculpté en l'honneur de la maison Serre d'Aigle, cette œuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serre d'Aigle. J'ai commencé hier soir, j'ai fait une heure juste, et là je viens de rejoindre ma maison, c'est tout. Défi du guide de sorcier. Ok. Récupérer les pages des guides de sorcier à Poudlard. Les défis du guide de sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ok. Ouvrir le guide pratique avec Start. Très bien, j'ouvre. Donc trouver des pages, vous voyez, ça me donne 90 XP, donc c'est plutôt pas mal d'aller en chercher. Ça farme l'XP, donc voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau de puissance. Très bien. Votre guide du sorcier vous suit votre progression dans les défis actuels. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Donc, menu défi. Si vous voulez que je me cache, je me cacherai. Laisse-moi l'air, Florerton, s'il te plaît. Je dirais du bien de Horizon tous les quarts d'heure. Horizon 2, j'adore. Laisse-moi l'air qu'avec un cran de son. Alors, on clique sur guide du sorcier, très bien. Et nous pouvons voir qu'il faut récupérer deux pages pour avoir une récompense d'équipement. Derrière moi, c'est écrit récompense d'équipement, lunettes royales de Poudlard. Alors attendez, je pense que je peux virer. Ouais, je ne les ai pas groupés du coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Très bien. Quittez le guide. Ok, Flora. Ouais, je suis sur PS5, Patoche. Je suis sur PlayStation 5 en mode performance. Là. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. T'en chies alors sur le platine de Dead Space, Vauxhall ? C'est ce que tu disais sur Discord. Faut que je finisse aussi Dead Space Remake, moi. Je suis trop content, putain. J'ai une âme d'enfant là qui renaît. Harry Potter, c'est toute mon enfance pour le coup. C'est les seuls bouquins que j'ai lus, je crois, dans ma life. T'écoutes pour Horizon 2. Ouais, mais alors, tous les quarts d'heure, c'est compliqué quand même. Hein.
compliqué. Révéler. Ah, c'est ça. Oui, j'ai donné la solution sur ma chaîne YouTube de ces portes. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, 10 tips. Mes 10 tips pour commencer Hogwarts Legacy. T'es. Ah, juste à temps. C'est téléporteur. De vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le rôle central. C'est vrai, Vauxhall. Alors, vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment. Vous déplacez rapidement vers les flammes de cheminette. Ouvrir la carte. C'est en 3D, c'est absolument somptueux. Boulevard est divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite les salles. Attendez, putain, c'est mon colis. C'est mon colis ? Trop cool. C'était le boulot. C'était pas du tout mon hibou. Donc deux zones. La salle commune de chaque maison ainsi que la grande salle. Ok. Bon, vous pouvez sub, hein. Vous pouvez sub. Vous pouvez sub. Je surveille pour m'assurer qu'il tienne son engagement. Je le ferai. Donc ça, je le ferai. Coucou Twiz. Comment tu vas? Bienvenue. Alors, on peut sélectionner une zone du grand escalier, c'est ça? Ok. Et après, du coup, hein, vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Les flammes de cheminette vertes représentent les flammes que vous avez découvertes et les pas découvertes sont en grise. Ok. D'accord. Du côté droit de la carte, trouve les points d'intérêt de l'académie, tels la tour de l'astronomie, la bibliothèque et les serres. Alors, je vois pas de quoi il parle en côté droit. Non, non, je vais pas aller faire un salon. Mais en fait, ça me saoule parce que, genre, moi, quand je mets des congés, j'ai l'impression que je suis plus sollicité quand je suis en congé que quand je suis pas en congé. Ras le cul, hein. Ah d'accord, oui, partie droite et partie gauche, ok. Donc là, on prend ça, voyons voir. Et on peut aller par exemple au hall central. Professeur, vous allez débloquer la flamme de cheminette du hall central pour vous. R pour faire... Ah oui, d'accord. Je peux faire bouger le truc et là, j'appuie sur carré pour voyager. Ok. C'est ça quand t'es le meilleur, ouais, j'avoue. J'avoue. Merci, Patoche. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Désolé pour cette interlude. Dans le hall central. Cool. Suivre le professeur Weasley. Donc, nous arrivons au hall central. Il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Des bisous, Tinu Bakmal, repasse quand tu veux. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre la force du mal. Ça y est. Aujourd'hui. Du challenge. Ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. C'est quoi les affaires? Ah oui, ben oui, les affaires qui ont été bouffées par le dragon. Salut Matt, bienvenue. Alors ça vaut quoi? Ça déboîte, putain. Achetez-le! Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège? Vas-y. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer.
sorts, enchantements, maléfices. C'est ce qu'on veut. Très utile. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant. Moi, je veux faire de la potion. Très doué. Ok, en quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal? Vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique... Écoute, Matt, très bien fait. Contre les forces, ambiance sonore au top. Qui nous entoure. Trop cool pour le moment, c'est très grisant, quoi. Défense contre les forces du mal était 19h sur PC, Twiz. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour... Putain, c'est Ekat, il est là. ...à nos élèves. J'adore Horizon, c'est super cool, Horizon 2. C'est un défi que je me suis lancé. Qu'est-ce que Préolar? Bon, enfin, on va demander, mais quand même, on sait quoi. Vous avez mentionné Préolar, professeur. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite. Vous avez vu, il y a une baguette qui bouge devant moi. Vous avez vu? Toutes les fournitures. Vous avez vu? Sans que j'utilise quoi que ce soit, une baguette bouge devant moi. Regardez. Vous vous rendez compte? Comment c'est magique ce live? Ouais, je suis sur PS5, Luffy. Salut à toi. Oh, pardon. Merde, c'est pas ce bruit. Salut à toi. Bonjour, Luffy68. Bienvenue et désolé pour ce bruit de paix. Et de deux compliments. Est-ce que toi aussi, quand t'es dans un bâtiment et que tu sors à l'extérieur, il y a une baisse de luminosité, comme un filtre blanc qui se met? On va regarder, Luffy. On va regarder. Merci, professeur Weasley. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de TP. Vous avez tant à apprendre. Après, c'est possible qu'il y ait des bugs aussi, encore au départ. Hein. T'es en quel mode de qualité, toi, Luffy? Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. T'es en qualité, équilibré, ok. Bah écoute, moi je suis en performance, on pourra voir la diff. Hein. Tu peux m'expliquer ce que tu fais et enfin, dans quel cas ça te fait ça? Oui, bah oui, c'est sûr que c'est pas une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château, bien sûr. Nous avons fait un détour en venant ici. Elle veut en savoir plus quand même. Des ruines et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du... Putain, Madame Weasley, elle en peut plus, quoi. Elle veut mon body. À la story. Oui. Salut, comment tu vas? Avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous... Je mets un peu la barre, comme ça, au moins. Les gens pourront comprendre un petit peu ce qui se passe. Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement... Mais quand est-ce que j'ai ma baguette? Qui nous a choisi? Bien. Regardez ça, la magie. Je dois rejoindre ma classe. J'ai une baguette qui se déplace toute seule. Vous, professeur Fig? Quand je dis baguette... Des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Regardez, même ça, quand je regarde pas, ça le fait. Vous vous rendez compte un peu la magie qu'il y a sur ce live? Ça, c'est à cause de Lord Voldemort. Servir du guide du sorcier, il vous sera d'une aide inestimable. Bon, ça va le tuto là? Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après. Si, Matt, je pense que je vais kiffer. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller après au... Je pense que si. Parce qu'en fait, je suis fan de l'univers Harry Potter et du coup, si je suis dans l'histoire, après, à mon avis, c'est bon. Alors, parlez au professeur Fig, voyons. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser. En fait, on est trop potes avec Fig, là. Plongiez dans vos études. Dès le début. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? D'explorer des ruines avec... Ouais, ce n'était rien, monsieur. J'espère ne pas avoir trop dit. Vas-y, on met ça. Je n'ai pas osé mentir. On va tester Luffy. Dit d'autres sur notre périple. N'hésitez pas à follow pour gagner le jeu. Point d'exclamation cadeau. Que nous ne lui disons la seule condition. Tiens, je sors le 10. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien.
Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre un enseignement de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Alors, ouvrir le journal des quêtes. Ouvrir la carte. Voyons voir. On va tester Luffy. Mais je pense que, tu vois, ça, c'est des trucs, si c'est sur Play, c'est, à mon avis, pour gagner de la puissance au moment où ça change de zone, en fait, tu vois. Donc, à mon avis, peut-être essaye en mode performance, voir si ça te le fait toujours. Mais de toute façon, on va tester. L'icône machin chouette représente les quêtes principales, ok. En terminant les quêtes principales, vous progressez dans l'histoire, débloquerez de nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'expérience. Très bien. Ah ouais, putain, on a le compteur au-dessus, regardez. Coffre collecté, guide, page de guide de sorcier, statue. Demi-guise, d'accord, il y a des statues aussi, et table d'astronomie. D'accord, qu'est-ce que je voulais dire, Voxol? Je pense que tu viens en chier pour le platine. J'adore Horizon 2. Certaines quêtes sont verrouillées par des sortilèges et ou nécessitent un certain niveau. Donc il y a un cadenas pour celles qu'on ne peut pas faire. Très bien, les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs. Ok. Donc là, il faut que je fasse quoi? Suivez les quêtes disponibles, machin, avec croix pour continuer. Donc on a soit cours de défense contre les forces du mal, soit cours de sortilège. Merci Luffy pour ton follow, bienvenue à toi, merci beaucoup. Bienvenue Luffy! Il est là Luffy. Luffy de One Piece. Bonjour à toi. Soit le cours de sortilège. Ben, je vais faire les cours de défense contre les forces du mal. Ça m'intéresse. Je pourrais perdre dans le château. Je vais peut-être devoir utiliser la boussole ensorcelée, flèche du haut, du guide du sorcier pour trouver mon chemin. Alors, suivre la quête, voyons voir. Ok. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Ah, ça le fait quand même. D'accord, ok, Luffy. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours. L'infidélité aussi, ok. Fourniture après Olar, notamment votre bague. Salut, on y restera. Comment tu vas, bienvenue. C'est un artisan hors pair et ah, cool la baguette, Ollivander. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, go la baguette. Concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas. Salut Tarbuck, comment tu vas, bienvenue Tarbuck, bienvenue. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, je suis refait. Le jeu a l'air absolument oufissime. Quête terminée, bienvenue à Poudlard. Boussole ensorcelée. Nouvel objet débloqué. Lancez la boussole ensorcelée avec la flèche du haut pour vous mener à ce que vous cherchez. Donc voyons voir, flèche du haut. Oh, trop cool! Oh putain, mais c'est trop bien! Ah ouais, putain, c'est un fil d'Ariane. Attendez, je recache le chat en bas. Voilà, comme ça vous êtes dans l'immersion totale et globale. Vous pouvez changer la couleur derrière moi en donnant du pognon. Apparemment, ouais, il a l'air top. Il est vraiment très très cool. Je suis trop content d'avoir pris l'édition Deluxe Potatoes pour pouvoir y jouer des jours et des jours avant Voxol. J'adore Horizon 2. Patine va être long, mais assez simple au final. Je pense que le jeu est pas dur, ouais, pour le coup. Alors, voyons voir, on a un coffre ici. Une indication de coffre. Alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je peux le faire, peut-être. On va le faire ensemble. C'est parti. Le live a commencé il y a combien de temps? Bah écoute, j'ai eu des problèmes de live, de caméra, donc il y a que 39 minutes. Et j'ai changé de maison par rapport à hier soir. Je suis Serre d'Aigle et non Pouf Souffle. Donc j'ai recommencé hors caméra ce matin. Oui, le jeu est grand public. Donc voilà, ici, énigme. Les mathématiques m'habitent. C'est parti! Une page! Page. Ah oui, je peux pas la voir. Faut que je récupère Wingardium et Leviosa. Alors du coup... On a en fait une énigme. Les symboles qui sont là, en fait, ils ne sont pas numérotés de 1 à 10, comme on pourrait le croire, genre hibou 1, licorne 2, machin chouette 3, hydre 4. En fait, c'est de 0 à 9. Donc, en gros, 11 plus 2. Et ensuite, on doit trouver le truc qui fait 21. Donc, attends, 0, 1, 2. OK. Donc, 11 plus 2, ça fait 13. Donc, de 13 pour aller à 21, il y a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Il y a 8. On est vraiment des cerfs d'aigle, on est des érudits, des vrais scientifiques.
des scientifiques. J'ai rien compris. Salut Nat, comment tu vas Nat? Bienvenue. Bah en gros, si t'as pas compris, en gros chaque symbole là, dans l'ordre avec ma tête, hein, on fait avec ma tête. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Mais c'est à Tatapiola Robignol pour le follow. Mais tu followais déjà Tatapiola Robignol, je crois. Donc, ici, tu vois, il y a écrit 11 symboles. Donc 11 symboles, c'est ce symbole-là. Celui qui est au-dessus de ma tête, ça correspond à 0, 1, 2. Donc 11 plus 2, ça fait 13. Et on doit trouver la différence avec 21, ça fait 8. Du coup, 8, c'est... Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est une araignée. Et je pense que ça... Ok. Je sais pas si c'est celui-là, par contre, le premier. Si c'est celui d'en haut. Et là, on a... je sais pas quoi, plus Tentacuyax. Donc 9 plus Tentacuyax. C'est combien celui-là, là? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 9, 14. Pour aller à 17, 3. Donc 3, c'est celui qui est juste au-dessus du truc bizarre, c'est l'hydre. Ok. Et donc là, par contre, je sais pas où il est, le truc. Il est où le truc? Mais tiens. Loupé. Il est où le truc pour l'ouvrir? Par contre. Salut Lucas Loul, bienvenue! Bienvenue, bienvenue. Alors je cherche le truc. Pour faire le truc. Là on en a un là. Mais tiens. Il n'y en a pas un autre? Ok. Et si je fais l'hydre alors peut-être? Ah, y a pas d'hydre. Ok. Alors je... Comment j'ouvre l'autre? On va ouvrir ça? Ok. Une grosse merde alors. Peut-être que je suis une grosse merde. Peut-être que c'est ça en fait le but du jeu. Être... Ah! Ta-ta-ta-ta-ta! C'est pas ça? Hydre. Y'en a une là d'hydre? Oui! On va voir. On descend. Eh bien écoute, Nat Rigolo, j'ai changé de maison, en fait je me suis mis Serre d'Aigle parce que j'ai fait les trois tests sur les trois sites. Et en gros, bah... Ça y est. Je suis un génie. Et en fait, à chaque fois c'est ressorti Serre d'Aigle, donc je me suis dit bon, je vais pas faire pouf pouf, je vais faire Serre d'Aigle. Voilà. Je fouille le coffre. J'ai eu une statue de Jobarbille. Incroyable. Et une écharpe bleu azur. Oh cool, j'ai eu ma première écharpe, comment je fais pour le... Hein? C'est pas start. Ah si, c'est start. C'est ça, là. Équipement. Oui. Oui. Accessoire du cou. Cool. Alors ça, c'était quoi? Écharpe beige. Et là... Oh, cool. Oh, je suis tellement stylé. Mais Serre d'Aigle, c'est très bien aussi. Hein. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Oui, j'ai des gants. Oh, super. Ah, j'ai des trucs déjà, de base. J'ai quoi? Oh, trop cool. Cool, on dirait moi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, surtout pas. Putain, ça c'est de très très mauvais goût. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Attendez, on va voir côté robe de sorcier. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ah ouais. Ah, je reste comme ça. Je suis trop stylax là. Traître poufoufle. Mais oui, je suis un traître à la store. Oh là là, qu'est-ce que je suis stylé. Allez, je vais là. Cours de défense contre les forces de la magie du mal. Oh, le temps de chargement. Ah! Luffy. Merci Lukioc pour ton follow. Bienvenue Lukioc. You are awesome, Lukioc. Awesome. Merci pour ton follow. Bienvenue. Tu mets les tenues des délaissés, tu appuies sur carré. Attends. J'appuie sur carré. Attaque, attaque. Les annexes quêtes sont désormais disponibles. Vous trouverez les quêtes annexes avec le losange dans les différentes zones de Poudlard marquées par un Dragpo et les découvertes en explorant le monde. Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP, mais ne font pas avancer l'histoire principale. Ok. Alors, voyons voir. Équipement. J'appuie sur carré. Où ça? Où ça?
Ouais, il y a eu un changement de luminosité, je suis d'accord. Et alors, attends, moi, si j'appuie sur carré, j'ai rien. Tu vois, ça fait rien si j'appuie sur carré. Les lunettes en plus d'une gueule de prout. Attendez, on peut les enlever, les lunettes. Parfait. Sur la tenue à droite. Ah, changer d'apparence. Carré. Ah, ça, c'est quoi? Oh. Autre. Ah ouais, d'accord. Attends, mais ça, c'est celui que j'ai débloqué, celui d'en haut? Attendez, on va regarder quand même. Carré, changer d'apparence. Ok. Carré, changer d'apparence. Donc ça change rien. Ah oui, c'était ça. Ah ouais. Oh putain, la préco, vas-y, la préco, elle était totale et globale, quoi. Ah ouais. Ah, je me régale. Carré, changer d'apparence, ça fait voir. Ah ouais. Putain, merci Luffy. Incroyable, quel style. Alors par contre, je vais pas changer l'apparence de mon écharpe. Je trouve qu'elle est bien en bleu puisque c'est ma maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh putain, quel style. Oh vraiment. C'est Fashion Potter là. Cours de métamorphose. Un placement de flamme cheminette découvert. Attendez, et du coup, faut l'activer? Qu'est-ce que vous mijotez? Oh, c'est toi qui me parles. Excellent. Salut à toi, Iron Rital, pardon. Bienvenue. Allez. Désolé. Et ton béret, il a pas une autre apparence. Attends, attends, oui, t'as raison. Allons-y. Un beau gosse, un beau gosse. C'est vrai qu'il y a le béret aussi. Et les lunettes? Attendez. J'équipe. Voyons voir les lunettes. Carré, changer d'apparence. Oh putain! Oh putain! Oh bah le masque, et. Putain, des lunettes, tu passes à ça, abusé quoi. Carré, changer d'apparence. Putain, c'est quoi ça? Oh là. Oh là là. Je suis chelou. Je suis chelou. Putain, la préco quoi. La thune, elle est là. Elle est là, ma thune, regardez. T'as pas récupéré la tenue en faisant le test des maisons sur Wizarding World? Si, en liant ton compte de Warner Bros. À ton compte PS. Alors, j'ai pas relié parce que j'ai eu peur que ça me mette d'office la maison dans laquelle j'avais fait le test. Du coup, ben non, j'ai pas relié, mais je pourrais le faire peut-être tout à l'heure. Ça fonctionnera, Luffy. Salut à ceux qui arrivent, bonjour à vous. Bonne année. À ceux à qui j'ai pas dit bonne année. Oh putain, ça y est. Cours de défense contre les forces de la magie du mal. Quoi, c'est tout? Serpentard. Melioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. Putain, elle. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous on dirait pas du tout une prof des défenses contre les forces du mal. Vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles. Ouais, Tinu, je vais envoyer des proutasses comme ça, là. Le savoir. Trop stylé. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un... Moi, je vais changer, je vais enlever le masque, il est dégueu. Je ne saurais m'en souvenir, même face au mage noir. Ouais, tu peux jouer avec la même PS5 sur Steam, ouais. Matt. Levioso. Levioso, c'est pas Leviosa? Levioso. Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Monsieur Prouette? Oui, je pense qu'il faut attendre une mage, hein, Luffy. Une chose oui, oui. Que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous venons d'apprendre. C'était pas à payer pour changer la musique, la lumière derrière moi. Le truc horrible, c'est pour les gens. C'était pas à donner de l'argent pour changer la lumière derrière moi. Alors, stabilisez votre baguette. Ok. On apprend Levioso. 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 Ribot, le mage noir manipulateur. Oulala, c'est parti. Hop. Croix. Croix. Oulala, quel challenge. Vraiment un jeu difficile. Ça y est, on a appris Levioso. Levioso. Des bisous, Luffy. Écoute, n'hésite pas à repasser. N'hésite pas à repasser. Ou à me laisser en fond sonore. Bien.
Essayons quelque chose de plus compliqué. Ah. Qu'est-ce que c'est qui est plus compliqué? Je pense que tout est plus compliqué que ça. Parce que déjà, c'était très facile. Elle est marrante, cette mémé, là. Enfin, cette mémé, c'est pas vraiment une mémé, mais... Faut absolument que j'enlève ce chapeau et ce masque. C'est dégueulasse. Commençons par le lancer de base. Ok. Appuyez sur R2. Donc j'appuie. Ah. Ça a fait un bruit bizarre, je trouve. Ok. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Oui, j'ai vu. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. Alors, Levioso. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Alors, comment on fait Levioso? On laisse appuyer sur R2, je pense, et on appuie sur rond, du coup, voilà. Bien. Oh. À présent, le lancer de base. Très bien. Bravo. Oh. Bravo. J'adore les gestes qu'il fait comme ça, là. En mode super stylax. C'est très bien. Mais putain. Le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Le duel. Avec vous deux. Look at my cap. À vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre. Je vais t'accueillir à Poudlard. En utilisant Levioso. Salaud de Serpentard. Et Protego. Maman, j'étais mort. C'est mort. Maman, j'étais mort de ces morts. Ok, donc là, on fait quoi? Ça devrait être facile. Protego! Stupéfix. C'est compliqué, chose. Levioso. Alors, tu crois pousser des ailes? Ok, c'est compliqué. Donc, attends, on va parer. Plutôt doué, n'est-ce pas? Stupéfix. Levioso. Un Levioso parfaitement exécuté. Moi, j'étais mort! Premier duel. Ok, il se rend Protego. Protego. Loupé. Stupéfix. Levioso. Les duels animés sont passionnants. Allez, meurs! Si seulement tout nous allait. C'est sorti! C'est gagné. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends couche. Bouffon de Serpentard. Putain, cette gueule. Ça a pas du tout. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Professeur L4, il est là, L4. Merci, professeur L4. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Vous avez vu qu'elle est en position de T-Rex? Ils se doivent y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter... Que vaut-il? Salut Noir, bienvenue. Des gobelins. Super, hein, franchement, pour le moment, trop cool. Hein. Je suis sur PS5, là, et c'est... L'ambiance, elle est folle. Vous entraînez aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs. J'attends la fin du dialogue pour te répondre, mais... Graphisme, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. L'ambiance sonore avec les musiques est absolument dingue. Et franchement, enfin, putain, c'est fait par des fans pour des fans, quoi, regardez ça. C'est absolument fou, je me régale. Allez, je vais enlever ce masque de merde. Alors attendez, j'ai pas fait la bonne touche, donc il faut faire start. Ensuite, équipement. Le masque. Comment on fait pour le déséquiper de là? Il me tarde d'aller voir Ollivander. Donc attendez, je déséquipe. Et ça aussi, parce que pff, vraiment, c'est trop moche. Et ce que je voulais faire aussi, c'était carrer sur mon petit blouson et mettre du bleu. Voilà, comme ceci. Ça sera parfait. Là, je suis stylé. Là, je fais élève de Poudlard. Voilà, je fais pas genre génie du mal. J'ai juste ma cape qui est trop cool. Et les autres, ils ont des capes de merde. Tu l'as eu vachement d'avance. Ouais, en plus, j'ai joué hier à minuit. Du coup... J'ai pris la version PlayStation 5, tu sais, en deluxe numérique, et en fait, on pouvait y jouer dès minuit, ce matin, du coup. Voilà. Ça c'est pas le tatar du fiac. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. Sébastien Palot. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait... Salut Neji, je suis Sardaigle. Bienvenue. Je m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Habile. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. N'hésitez pas à changer la couleur derrière moi, en donnant du fric. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. En effet, et merci pour le follow de NP Creborn, bienvenue. Et merci beaucoup pour le follow. Point d'exclamation cadeau si vous voulez gagner le jeu. La seule condition, c'est de follow la chaîne.
Voilà, point d'exclamation, cadeau, tirage au sort, le 10. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. En effet, je n'ai jamais utilisé ma baguette au combat. Vas-y, je vais dire que j'ai jamais utilisé parce que c'est vrai. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu suis habile. Je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais... Avec ma baguette. Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif. Ah. Et clandestin. Ah, ça m'intrigue. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Salut Tracker. Bienvenue Tracker. Profiter au maximum de tes années à Poudlard. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret. T'arrives d'où NPC Reborn ? Entrer dans la réserve de la bibliothèque. De Twitch ? Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci. Trop bien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. Salut Tracker, bienvenue. Si tu es de, la de nulle part, Amner, ok. du si néant. Du talent. Tu vas parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Et j'ai pas exploré ma tour d'astronomie, moi, de... Quête terminée. Cours de défense contre les forces du mal. Trophée. Et alors en haut à droite, j'ai eu quoi? Défi réussi, terminé la quête principale, plus 15 PV. Super, je suis niveau 2. Trop cool. Et du coup, je peux parler aux gens, c'est ça? Elle me propose une quête, en fait, c'est ça? J'avais toujours pensé que les vaisseaux étaient pour les premières années. Et bien sûr! On fait pour jouer au jeu, car je l'ai sur Steam, je peux pas le lancer. Alors en fait, il sort qu'à 19h pour les gens qui sont sur PC. C'est pour ça. Donc, il y a que les gens sur PlayStation qui ont pu y jouer dès minuit. C'est ce qu'a payé Sony, en fait, une exclusivité, pour l'avoir à minuit. Voilà, donc derrière moi, il y a Gryffondor. J'ai envie de me défenestrer. De me défenestrer. Alors, voyons voir. Il y a un coffre, vraisemblablement, en hauteur. Je ne sais pas comment y aller. Donc, on continue. On va aller suivre notre deuxième cours. Alors, je ne sais pas comment on fait, par contre, pour aller rejoindre le truc. C'était quoi? Flèche du haut, c'est ça? Pour suivre le... Ah, c'est ça. On tente un TP pour voir ou pas? Ou on y va à pied? Non, on y va à pied quand même, Poudlard. Il faut qu'on explore. J'ai vu que jouer à War Legacy, j'ai regardé, j'aime bien comme tu parles et tout. Alors, je follow. Mais écoute, bienvenue, NPC Reborn. Bienvenue à toi. Je suis Ribosome et je suis streamer depuis 4 ans sur YouTube et Twitch depuis 2 ans. Voilà, donc écoutez, régalez-vous. On stream tous les mardis, jeudis à 19h et tous les dimanches à 10h. Et là, j'ai posé 4 jours de congé pour Hogwarts Legacy. Ok, eh bien, il est bien dommage que c'est pas un jeu multi. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disaient, putain, en coop, ça serait super. Et en multi aussi, du coup, ça serait trop cool. Peut-être un jour, on aura une mise à jour, qui sait. Écoutez, s'ils se vendent bien, à mon avis, ils feront peut-être un deuxième. Hein. C'est possible, avec d'autres trucs. Ça serait super. Mais vraiment, il est super, ouais. Graphisme, je ne m'attendais pas à ça. Le sound design, il est absolument super. Les musiques aussi qui sont là, les vraies musiques. Donc vraiment, c'est une trop bonne surprise. Je m'attendais pas à ça, quoi. Commencez. Allez, quête. C'est parti, quête. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Putain, on dirait Tom Jedusor, là, le mec qui est là, le premier du rang, à gauche. Tom Jedusor. Derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Mais ils ont bien fait en fait, hein, Nat. S'ils savent Bonjour, pas faire. Je m'appelle Natty. Vaut mieux s'abstenir. Donc toi, le nouvel élève. C'est moi, Natty, oui. J'ai déjà rencontré le professeur Ronan. Ronan. Est-ce que vous êtes prêt? Ah, il est bien doublé, lui. En cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé. Dans le chat, la cinquième année, c'est la dernière année ou pas? Et la rigueur nécessaire pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? Non. Hein, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Je vais changer ma cape aussi, elle me saoule cette cape. Ce que je vois, on dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Ah, donc il y aura potentiellement une suite du coup. C'est pas la dernière année.
il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Super, hein, ça va pouvoir me permettre d'attraper les pages qui volent. Merci, allez à votre place. Super. Tu peux redoubler à Poudlard ou pas? Je sais pas, le Matou 31. Moi, je veux pas redoubler. Moi, j'ai redoublé ma seconde quand j'étais plus jeune. J'ai redoublé ma seconde. C'était la meilleure classe à redoubler. Si jamais il y en a qui sont pas encore en seconde, je vous incite vraiment à redoubler votre seconde parce que c'est la dernière fois que vous aurez autant de vacances sans examen. Donc, allez-y, redoublez votre seconde, les amis. Redoublez-la. Je clip. N'hésitez pas à follow. Putain, on est bientôt 2800 sur la chaîne Twitch. Et merci pour les follow des derniers. Merci beaucoup. 2800 bientôt, c'est incroyable. Allez, on apprend Axio. Oh. Oh. C'est parti. Axio. Axio, réaction. Cool. Pas mal du tout. T'es, elle est fan de moi, elle. Vous apprenez vite. Elle kiffe mon corps. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratico. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Salut Dead Life, bienvenue. Tous maîtriser les bases. Elle kiffe la cape, ouais. Particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ichigo qui dit qu'il faut bosser et qu'il faut pas redoubler sa seconde. Non, non, redoublez votre seconde. Redoublez-la, c'est vraiment la meilleure classe à redoubler. Putain, je me régale, c'est trop bien, putain. Je suis à Poudlard pour 4 jours. Plaisir, honnête avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. À la store, heureusement qu'il n'y a pas le chat qui est affiché. Je répéterai pas ce que tu as dit. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, cool! Ah, c'est un jeu de boules! Go pétanque! Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Putain, j'aime pas ma cape. Faut que je change ma cape, JPEP. Je veux ma cape de base. Tout simplement. Nous on sort débloqué, Axio. Donc c'est R2 et carré. Puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Ok. On peut révoquer le sortilège. Alors attendez, je change juste ça parce que ça me gonfle ce truc qui bouge là. Voilà. Parfait. Des bave-boules par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez. Donc là je fais R2 et faut relâcher au bon moment. Excellent contrôle. 30 points. Mais du coup c'est des points pour Serpentard ou c'est des points pour moi? Attends. Hop. Superbe. Allez, allez, allez. Ouais. Bonjour, je suis à Carouf. Salut Thomas. Comment tu vas? Ça se passe bien à Carouf? Et là, il faut relâcher. Voilà. Oh, oui. Ça. Non, stop. C'est bon, 130 points. Salut Thomas, bienvenue. Des points pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. J'aime bien ce prof. Missonai, voulez-vous bien défier votre camarade? Ça va bien Thomas, super, ouais, je suis refait, je suis trop content de jouer à Harry Potter. Donc moi, attendez, je joue les bleus, ok. Vous serez rouge. Règle du plateau, c'est quoi? R3? Ah oui, ok. Le jeu est trop cool, Rimsdale, franchement, et salut, pardon, j'étais un peu ghost. Le jeu est trop cool. Attendez, c'est un truc de rapidité ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, on peut bouger. Ok. On peut bouger sur le plateau. Balthazar, j'adore que ce soit écrit comme ça. Alors, on va prendre cette boulasse. Action. Et hop. Voilà, t'es mange tes grands morts. Excellent. Ça fait quoi si on fait un perfect, à votre avis? C'est un trophée? On va tenter le perfect. 5 heures de trou. Je suis en cours. Ah putain, 5 heures de trou. Tu déconnes, t'es en quelle classe, Dreamstale? Allez hop,
On fait venir. Quand c'est sur le verre, en fait, on arrête. Putain, yes! Beau travail. Regarde bien. Seconde. Redouble-la, Dreamstale. Redouble-la. Je te somme de redoubler ta seconde. Alors, c'est chiant parce que là, du coup, il y a deux couillasses. J'ai que 100. Bon, dans tous les cas, je fais plus. Action. Axio. C'est trop. Non. Un score parfait. C'est remarquable. Et ouais. Trop du fiac. C'est moi, Balthazar du fiac. Je suis le maître des boules. On va rendre les choses plus intéressantes. Salut à toi, poutre effrayant. Comment tu vas? Bienvenue, on se régale sur Hogwarts Legacy. T'es arrivé sur ma meilleure réplique, je crois. Oh non, ça bouge. Déjà dépassé ce stade. Il y a des parpaings qui bougent. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Elle sera décisive. Concentre-toi. Sacrée réplique. J'avoue. Je suis Balthazar du Fiac, maître des boules. Tu vas voir ça, toi. Voilà comment on fait. Ouais, tu vas voir comment on fait. Je vais te montrer, moi. Je vais t'apprendre la vie, là. C'est parti. Attendez, je vais juste me mettre là. Action. Voilà. 30 chacun. C'est parti. Très bien. T'as bien fait. Foutre effrayante. Ben, je sais pas si on peut les faire tomber. J'ai pas envie d'essayer pour le coup. Putain, vas-y, elle va me caler un 50. À la grognasse. Ben voilà. Moi, j'étais grand mort. Je veux pas perdre. Si je perds, ça veut dire que je suis une grosse merde. Et du coup, là, on va se mettre comme ça. En fait, quand on se met comme ça, ça fait une ligne. C'est ça qui est cool. Oh non. Elle a fait un 50. Il va y avoir un ex-écho. Oh, ma vie est à chier. Ma vie est à chier. Quel enjeu. Quel enjeu. Attention. Balthazar du Fiac. Je sais qu'on me regarde, mais garde ton sang-froid. Tu te débrouilles très bien. Ne vous déconcentrez pas. Je me dégoûte. Non. Bravo à vous deux. Beau travail. Horizon Zero 2, c'est un super jeu, j'adore. Il est incroyable, par exemple. Après tout ce que tu as fait, je suis dégoûté. Je me dégoûte, le matou. N'oubliez pas vos affaires en Je me dégoûte. Je me dégoûte. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. Je suis une grognasse chez Gryffondor. J'ai gagné, mais vraiment, tu n'as pas démérité, hein. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Je me débrouille. Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi, c'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté. Ah ouais, sa mère, elle est prof, ça m'étonne pas. La moitié de la planète pour rejoindre une autre. Sa mère, elle est prof. Ça m'étonne pas. C'est un plaisir de te rencontrer. Quelle est la taille d'Ouagadou? À quoi ressemble Ouagadou? Les sorts sont les mêmes? Bah, vas-y. On lui demande si les sorts sont les mêmes. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? Et non, en plus, je suis serre d'aigle. Je suis serre d'aigle. Mais j'ai dû foutre effrayante. J'ai changé de maison ce matin parce que tous mes tests étaient serre d'aigle. Du coup, je me suis dit, putain, faut pas que je joue. Faut que je joue serre d'aigle. C'est incroyable. Les sorts sont sûrement moins puissants. C'est incroyable. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Putain, c'est un elfe. Une magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Sorti de son contexte, hein. Ça fait du changement. Mais oui, ça fait du changement. N'hésitez pas à changer la couleur derrière moi en donnant de l'argent. À quoi ressemble Ouagadou? Est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard? Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard est... Puis elle s'est matérialisée. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles. Passionnant, passionnant, vraiment. Natsé. Ouagadou me manque. Mais je suis contente d'être ici. T'as gagné, je te parle pas. Ah,
Je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Comment elle se tient là ? Je vais pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bon, j'ai appris Levioso et Axio. Donc c'est absolument incroyable. Si tu le souhaites. Je peux utiliser Axio ? Axio. Tu sais bien que ce sort. Je peux axioifier ça ? Oh, oui, ça bouge et tout. Oh, c'est super. Oh, c'est super. Allez, on lui parle et après on coupe pour YouTube. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre il est super ce prof. Votre cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Tout au droit. Je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. Ah ouais ? Je la prends pas du tout à cœur. Ça me touche pas du tout. Missonai est particulièrement redoutable. Mais c'est bon, on a compris, tu l'adores, Missonai. Ces derniers temps. C'est bon. Moi, tu m'aimes pas alors que je suis super intelligent. Il a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Hein, tout ça parce que je suis une grosse merde, c'est ça ? Une tâche des plus spéciales. Tu me prépares des cours particuliers parce que je suis une grosse merde face à Missonai, c'est ça ? De toute façon, tout le monde la préfère, Missonai. Je vais lui faire un Axio. Axio Kono. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle a toujours un coup d'avance. Toujours un coup d'avance. Oculus Reparo. Portax. Meuble basse. Table basse. Oculus Reparo. Réchauffement Globulus. Buffet, c'est genre le sort buffet, quoi. Buffet. J'hésite à faire un mage noir dans le jeu. Genre pur cerf d'aigle. Ça te rigolo. Salut YouTube. Du schlingue.